Bonjour tout le monde, ici Replay4You, bienvenue dans l'épisode 17 de la saison 4 de Minecraft Hardcore. Hier, vous l'avez vu, je me suis fait taxer mes diamants par un voleur. Bon, c'est pas cool du tout. Deux diamants perdus d'un coup, c'est vraiment pas de bol. Bon, aujourd'hui, on va se remettre. On va avancer dans les défis. Alors, j'ai décidé de me mettre à construire la piste d'atterrissage de l'hélicoptère. Vous vous en souvenez, je dois monter en haut des tours jumelles et construire une piste d'atterrissage en verre ainsi que des blocs jaunes, un H en jaune. Je vais donc aujourd'hui aller chercher un peu de sable. Le faire fondre pour collecter un peu plus de verre et m'atteler à cette tâche. Ce qui serait bien aussi, pendant que je suis en centre-ville, ce serait d'explorer la galerie souterraine. Vous vous en souvenez, dans les épisodes précédents, j'avais trouvé une galerie souterraine. Ben, j'aimerais bien commencer à y aller pour voir un peu ce que je peux trouver à l'intérieur. Donc les objectifs des prochains épisodes, c'est la piste d'atterrissage. C'est aussi les 4 blocs, puisque je dois monter en haut de 4 tours différentes. Et y poser 4 blocs de couleurs différentes. Donc je vais refaire du rose parce que j'en ai plus. Hop, allez, on va poser tout ça. Non, je vais pas le poser là. Je vais le poser là. Voilà. Donc je vais me faire un bloc rose puisque j'ai regardé dans mes objectifs. Et je dois monter en haut de 4 tours et poser un bloc vert fluo, vert, rose et noir. Donc j'ai les 3 premiers, il manquera plus que le noir. Allez, on va reposer ça. Donc je vais pas mal avancer dans les objectifs. J'ai aussi un H jaune à faire, donc je vais en profiter pour faire des blocs jaunes, sachant que je crois que j'en ai encore un peu dans mon inventaire. Ah, ce qui serait bien aussi, c'est de faire du blé. Ouais, ce qui serait bien, c'est de faire du blé pour choper un cochon d'Inde. Dans les objectifs d'hiver, j'ai un cochon d'Inde à choper. Il serait intéressant de l'avoir. Donc je vais collecter pas mal de blé avec la farine. Voilà, donc ça c'est parfait. J'ai de quoi faire de la farine. Ah, je vais pouvoir me faire directement du blé. Alors, ça c'est bon. Ça c'est pas mal du tout. Voilà, on va se faire un peu de blé dehors. Comme ça, avec mes pommes et mon blé, la prochaine fois que je croise un cochon d'Inde, ce sera bon. J'ai une pelle ou pas? Ouais, j'ai une pelle pour collecter un peu de sable. J'ai les blocs jaunes. Ok, j'ai tout ce qu'il faut. J'aimerais faire un peu de torche par contre. Voilà. Allez, je suis prêt. C'est parti. On va faire un peu de blé. Ensuite, on va aller en ville. Essayer de construire la piste d'atterrissage. Alors, est-ce que je suis tranquille par là? Là, ma maison est ouverte. C'est vraiment vraiment dangereux. Il serait temps que j'explore un peu là-dedans. Ah, je sais qu'il y a un garage derrière, mais c'est vrai que j'y suis jamais allé. Bon, mais il n'y a que dalle. Allez, je vais collecter des graines. Je me méfie, hein, que j'ai pas un loup-garou qui me saute sur la tronche. Mais les loups-garous, ça ne monte pas les murs. Donc je dois être tranquille. Je me méfie quand même des chevaliers, hein. Voilà, donc j'ai collecté des graines, on va aller les planter. Et on va se faire du blé directement. Alors, est-ce que je peux... voyons voir ça. Je pense pas que je puisse le mettre là. Ah si, je peux. Ah, ça, c'est une excellente nouvelle. Voilà, mission accomplie, on va... Qu'est-ce que c'est que ça là-haut? Des bugs de texture. On va faire du blé.
Oh là là. L'attaque des nains. Voilà, ça c'est fait. Allez, on s'y met. Hop, il m'en manque plus qu'un. Le voilà. Voilà, je vais prendre la farine pour faire directement pousser le blé. Petite astuce qu'on m'avait donnée à la saison 1. Excellente astuce. Allez, on y retourne. Je dois avoir des graines. Voilà, c'est très très bien. Donc je vais m'en faire pas mal. Comme ça, la prochaine fois que je croise un cochon d'Inde, je suis à peu près sûr d'y arriver. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Ça se passe bien. Allez, j'en ai combien? J'en ai 30 plus 9 pommes. Vous allez pas me dire que ça suffit pas. Allez, ça j'en ai plus besoin. J'ai du pain, en rab, j'ai tout ce qu'il me faut. Allez, on y va. On va essayer de chercher un peu de sable. Et ensuite, on va... oh, oui, ça doit être mon passage secret. Alors, on va essayer de voir si on peut pas trouver un cochon d'Inde. Faudra que j'avance dans mon passage secret. Je crois que je vais aller le voir d'ailleurs directement, si je peux pas le travailler de suite. Voilà, mon passage secret atterrit là. Est-ce que j'ai... Je vais faire ça, tiens. Maintenant que j'y suis. Ça, c'est mon passage secret, vous l'avez vu. Hop. Hop. Voilà. Ce qui serait bien, c'est de me construire une porte ici. Parce que là, ils ont accès direct chez moi. C'est un peu dangereux. Donc, je vais essayer de me construire une porte ici la prochaine fois. J'ai un passage secret pour entrer directement dans mon labo. Très très bien. Bon allez, on y va. Il y a un peu de sable là-bas. On va aller collecter ce sable. On va monter en haut des tours jumelles. Elles sont là, vous les voyez en face de moi. Et on va essayer de construire cette piste d'atterrissage. Monter ma barre verte. Voilà. Comme ça, j'aurais fait un grand pas en avant vers la victoire. Il faudra aussi que je monte en haut de 3 buildings différents et que je les éclaire et que j'y pose mes 3 blocs. L'idéal, ce serait aussi de trouver du poulpe afin de faire des blocs noirs. Parce que j'arrive pas à trouver du mouton pour faire du bloc noir. Le problème, c'est que j'ai pas l'impression que les poulpes soient décidées à sortir depuis le début de saison. On les voit pas. Voilà, un peu de sable, je vais en prendre encore un peu. Hein. Prendre tout ça. La pelle, la voici, la voilà. Comme ça, je vais me débarrasser de l'objectif de la piste d'atterrissage. Ce sera très très bien. Un grand pas en avant, cette piste. Tant que j'ai une pelle, j'en profite, je creuse. Voilà, c'est fini. Allez, je remonte à la surface. Oh, ici, il y a du charbon. Excusez-moi, mais c'est très important, le charbon. Donc le prendre, surtout qu'avec ma pioche en diamant, vous le voyez, ça va très très vite. Voilà, ça c'est très bien. Un énorme gisement de charbon en plus. Ça valait le coup.
vais prendre un peu de pierre aussi parce que on peut toujours en avoir besoin. Voilà, allez, très très bien. Et sortir de là. Donc ici, c'est là où je devrais faire ma fontaine de lave. Ce sera un de mes prochains objectifs aussi. Hop, petit bloc de charbon qui se promène tout seul. Bizarre. Je vais prendre le mouton là-bas parce que... je commence à avoir une petite pénurie de laine. Voilà, très très bien. Allez, on y va, on va monter en haut de ces tours jumelles. Et on va construire... la piste d'atterrissage. Je vois que j'ai un seau. J'aime bien me promener avec un seau avec de la flotte à l'intérieur. Ah ah, regardez, c'est un coffre. Oh bah ça c'est très bien. Ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin. Très très bien, j'ai trouvé une petite armure cachée dans un coffre sous la fontaine. Allez, j'y vais. Je me souviens plus trop. Voilà, on doit monter par là. Ah, ça fait une sacrée montée. Faut vraiment pas que je me casse la gueule. Tous les étages peuvent être explorés. C'est vraiment un immense building ici. Il n'y a plus de lumière là-haut. Ah, je pense que cette nuit, si j'ai fini la piste d'atterrissage, j'irai explorer un peu les buildings à la collecte de ressources. Et voilà. Ok, ça c'est très très bien. Donc ma piste d'atterrissage va être de là-haut à là-bas, ce qui fait pas mal. Ça, on va le virer. Voilà, allez, on va s'y mettre. Par contre, je vais faire fondre le verre, donc je vais faire un atelier plus un four. Voilà, on va faire un atelier. On va le planquer un peu. On va le mettre là. Et ici, je vais faire un four pour faire cuire mon sable. Voilà, allez, c'est parti. On se met... ah non, faudrait que je j'éclaire parce que si la nuit tombe... voilà, j'ai pris un truc, j'ai l'impression. Non, j'ai cru avoir prendre un truc. J'ai cru avoir pris un truc. Ah, faut que je me... oula, faut vraiment que je me méfie parce que regardez, si je tombe d'ici, ça risque d'être fatal. Donc j'éclaire tout, hein. Ça fait partie des missions. Et d'ailleurs je dois poser un bloc sur 4 tours différentes. Et ben je considère que ça c'est une tour. Donc on va poser notre bloc. Voilà, notre bloc vert fluo. Hop, parfait. Un bloc sur 4 de posé. J'irai en face tout à l'heure. Allez, c'est parti, on y va. Donc une piste d'atterrissage en verre avec un H au milieu. Voici la mission d'aujourd'hui. Alors c'est assez périlleux puisque c'est dans les airs, donc il faudrait vraiment pas que je me loupe. Regardez-moi ça, ça fait quand même sacrément haut. Faut pas que j'arrête d'appuyer. Donc le H, on va le faire là. Hop, hop. Allez. Pas que je me casse la gueule. C'est toujours ce dont je redoute. Tombe. Voilà, normalement j'ai pile poil le nombre de blocs. Hop, voilà.
Allez, je vais aller par là, parce qu'il faut absolument que j'éclaire ici. La nuit tombe, vous le voyez. Je peux pas me permettre de laisser des monstres popper cette nuit ici. Ce serait beaucoup trop dangereux. Je suis déjà pas mal avancé dans mes défis. On va pas prendre de risques. Voilà. Ok, ici il va falloir pas se casser la gueule parce que ce serait assez regrettable. Et ici on y va, on va continuer notre piste d'atterrissage. Et hop, voilà. Allez, je continue, je vais monter là-haut. C'est pas fini. Il manque du verre encore. Hop, excusez-moi, j'ai éternué. Ma barre verte, toujours pareil. On va la surveiller quand même, celle-là. Voilà, donc le H, bah tiens, on va poser. Non, on va poser aux quatre coins, ce sera mieux. Voilà. Ok, ça va un peu mieux. Voilà. On va en mettre tout autour ici. Donc, il s'agit de ne pas tomber parce que regardez, ça fait quand même sacrément haut. Hop, voilà, ça c'est pas mal du tout. Ça c'est pas mal. Poser là aussi. Vraiment essayer de faire maximum attention. J'aime pas trop être penché comme ça dans le vide. Voilà, allez, on va aller chercher tout le verre que j'ai fait cuire là-bas. J'ai fait cuire exprès, justement. Donc 27 à rajouter. Et ben on va les rajouter. Un peu de lumière ici. Ça c'est plutôt pas mal. Mettre un là. Allez, on va en continuer à en mettre ici. Tac. Et là, on va faire comme ça et comme ça. Donc de ce côté-là, ça me semble bien. Là, c'est pas mal. Et on va en mettre. Bah écoutez, ma foi, ça me semble bien. Bah pendant qu'il m'en reste un peu, on va. Allez, je vais refaire une dernière. Non, même pas. Si, allez, je vais en mettre un peu là. Waouh, c'est vraiment haut. Allez, voilà, mission accomplie. La piste d'atterrissage pour l'hélicoptère est construite avec un H au milieu, un H jaune. C'est parfait, mission accomplie. J'ai aussi posé mon bloc là-bas pour signaler ma présence, mon bloc vert fluo. Ok, ça avance bien. Il faudrait que je fasse la même chose sur encore trois buildings différents avec du vert, du rose et du noir. Bon, de toute façon, pendant qu'il fait nuit, je peux pas trop m'aventurer dehors. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer l'immeuble dans lequel je suis là. Et si demain je pouvais trouver un cochon d'Inde, ce serait pas mal. Je pense à ça. Il faut aussi que je construise une tombe sur un immense building. Il faudrait que j'en trouve un tout joli. Celui-là en face est pas mal, mais je vais voir si je peux pas en trouver un autre. Allez, on y va. On va redescendre. On va essayer d'explorer un peu cet immeuble pendant la nuit. Oula. J'ai eu peur. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Alors je vérifie, je suis bien en hard. Ouais, je suis bien en hard, pas de soucis. Ouais, faut vraiment pas que je tombe. Ouais, il y a un coffre ici, regardez-moi ça, il est bien planqué. Une armure, c'est très très bien. Alors que ça vaut vraiment le coup d'explorer. Je vais même la changer tout de suite.
Voilà, ça c'est très bien. Bah, vous savez quoi? Hop, je vais même mettre ça. Voilà. Donc j'ai vraiment une excellente armure cette fois-ci. J'ai même de quoi tenir si jamais ça part en sucette. J'ai de la bouffe. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Ça part plutôt bien. Je me sens bien parti. J'espère que je vais pas me porter la poisse. Donc ça vaut le coup d'explorer tous ces immeubles. Hein, vous le voyez. Ouh là là. J'ai bien cru que j'allais tomber. Faut que je me méfie quand même. Alors, la sortie, ça y est, je suis déjà perdu, elle est là. Explorer encore un petit étage, et puis on va redescendre. Hein. Là-bas, il y a un coffre, haha. Il est bien caché celui-là, et il n'y a que dalle dedans, ça c'est pas de bol. Donc, épisode tranquille, vous voyez, il n'y a personne pour me déranger, il n'y a pas de monstre. Bah ça change, hein. Faut aussi savoir en profiter quand ça se passe bien. Voilà, il y a un coffre là-bas. Donc cet immeuble est rempli de coffres. Alors, de l'argile, j'en ai pas besoin. De la nether roche, je pense pas en avoir besoin. Non, je pense pas en avoir besoin, donc je vais pas la prendre. Bon, je vais prendre le poisson, ça coûte rien. Le reste, je n'en ai pas besoin. Allez, on va encore explorer un dernier étage. Et il sera temps de redescendre. Je regarde aussi mon planning. Je vois qu'au jour 598, je vais devoir sauter dans d'un building. Ce qui serait bien pendant que je suis en ville, c'est de commencer à préparer la piscine du prochain building. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un coffre par étage, ça c'est très très bien. Je vais tout de suite me diriger vers l'étage d'en dessous. Ouais, ce serait bien de commencer à préparer la piscine. Là, il y a un coffre là-bas, j'ai l'impression qu'il y a un coffre par étage. Allez, encore des armures, des flèches, du bois. Les flèches, bon les flèches je vais les prendre quand même. On sait jamais. Ça, c'est très très bien. Bon, ben Mike a été généreux au niveau des coffres. Faut dire que l'intérêt. Oh, ouf! Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Je vais y arriver, hein. Oh putain! Passer sur celui-là. Celui-là est un peu plus dangereux du coup parce que. Ouf. Je suis pas rassuré là, il fait sombre, il y a. Oh là là. Là par contre c'est dangereux. C'est dangereux ici parce que c'est sombre. Allez, on voit un coffre là-bas. La laine, je la prends. J'aime pas trop les endroits obscurs comme ça. Alors là, par contre, il y a une passerelle qui relie à l'autre tour d'en face. C'est plutôt sympathique. Oh putain, c'est quoi ça? Bon allez, on a assez exploré cet immeuble, je suis pas très rassuré, on va sortir de l'immeuble. Et on va avancer dans les défis. Donc aujourd'hui on aura pas mal avancé puisque j'ai tout simplement fini la piste d'atterrissage de l'hélicoptère. Par contre je crois que j'ai laissé du verre là-haut. Ce serait intéressant avant de quitter la partie d'aller le récupérer. Parce que ça peut toujours servir. Hop. Voilà, pas mal de verre, en plus j'avais laissé du charbon.
Ok, allez, j'ai pas mal avancé, regardez tout le travail que j'ai effectué dans cet épisode. Ma piste d'atterrissage avec un H, j'ai posé mon bloc de repérage, j'ai trouvé aussi pas mal d'armures, de ressources. Excellent, excellent épisode, c'était pas le plus mouvementé, mais j'ai bien avancé dans les objectifs. Allez, j'arrête là pour aujourd'hui, je vous dis à demain pour la suite de cette saison 4 de Minecraft Hardcore. Salut à tous!